Alors bonjour, bonjour ou bonsoir, dépendant à l'heure où vous nous regardez, pour cette nouvelle édition d'Une question à la fois. Alors, ce soir, nous allons regarder plus spécialement le thème des révélations privées. Alors, étant donné que nous sommes durant la pandémie, l'émission cette semaine n'est pas, elle est enregistrée donc d'avance. Il y aura moins d'interactions avec vous. Le but est toujours semblable de répondre à différentes questions. On n'avait pas de questions en particulier, mais vraiment, c'est dans le sens de répondre à plusieurs questions, là. Puisqu'on est toujours en lien en paroisse, toujours confronté à des gens qui nous amènent là, différentes révélations d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est pour répondre là, un peu en général à différentes questions qui touchent à ce sujet. Alors, donc, bienvenue à tous et à toutes, que ce soit en direct de la première, là, mercredi décembre, 19 h, ou un peu plus tard, peu importe quand vous regardez l'émission. Alors, peut-être simplement faire une petite prière au départ, demander à l'Esprit-Saint hein, de nous éclairer sur ce sujet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Esprit-Saint, nous nous adressons à toi, toi qui as inspiré les prophètes, toi qui as inspiré aussi les Saintes Écritures, hein, la Bible, qui est je dirais notre livre de vie, hein, celui auquel on se réfère, ta parole qui nous est donnée. Alors, continue de nous éclairer sur notre route et à travers les événements de l'histoire où nous sommes, où nous vivons, puisque tu continues à nous parler à toutes les époques hein, de la vie de l'humanité et de l'Église. Alors, Esprit Saint, éclaire-nous, Esprit Saint, éclaire-nous. Amen. Et donc, pour cet entretien, en lien avec les révélations privées, je vais me servir beaucoup d'un document qui a été pondu, on va dire ça de même, par le comité de théologie de l'Assemblée des évêques du Québec. Alors, ce document qu'on peut trouver sur Internet s'appelle « Que penser des révélations dites privées ». Alors, je vais suivre un peu le déroulement donc de ce document qui est quand même très bien fait. De temps en temps, je vais sauter là, à droite ou à gauche, mais en gros, je vais suivre le développement donc, de ce document. Les évêques du Québec, ce document d'abord qui a été fait en juin 2011, qui avait pour but de répondre justement aux pasteurs, agents et agentes de pastorale, qui souvent hein, en paroisse, dans différents milieux, les laïcs ont des questionnements par rapport ces phénomènes et qui viennent donc soit nous en parler ou nous porter des écrits en lien avec ça. Alors, les évêques, donc le comité dit d'abord, on entend souvent l'expression révélation privée pour désigner ce phénomène. Cette expression est malheureuse, car toute révélation est destinée à être communiquée tôt ou tard. Aucune révélation n'est d'intérêt strictement privé. Évidemment, c'est un vocabulaire qui s'est établi dans l'Église, je dirais, au cours du temps. Ils disent aux autres, il vaut mieux parler de révélation spéciale ou particulière, selon l'expression retenue par le Concile de Trente. Alors, le Concile de Trente, ça ne date pas d'hier, hein? C'est 1545
à 1563. Mais il semble que malgré cette recommandation du Concile de Trente de dire « révélation spéciale ou particulière », on dirait que le terme « révélation privée » est tellement ancré qu'il est resté beaucoup dans le vocabulaire de la, je dirais, de l'Église, même jusqu'à maintenant. Donc, je vais essayer moi-même d'employer le terme, mais ça se peut que spontanément rejaillisse le terme « révélation privée ». D'abord, suite à cela, on pourrait dire qu'est-ce qu'on désigne par ce terme donc des révélations spéciales ou particulières? Alors, le comité répond en disant « On désigne par là des manifestations d'origine divine qui font connaître des vérités cachées relatives à une situation précise de l'Église ou du monde. Les révélations particulières peuvent revêtir divers modes. » Alors, soit des visions, des apparitions, extases, ravissements, messages, lettres du ciel, secrets, rêves, qu'on appelle parfois aussi songes, clairvoyance, prophéties. Et je pense qu'on pourrait en ajouter encore d'autres. Je pense par exemple aux locutions intérieures, et différents autres phénomènes là, qu'on rentre un peu dans les révélations spéciales. C'est, bon, évidemment, ce phénomène des révélations privées ou particulières n'est pas nouveau. Hein. Dans l'histoire, tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu de ces manifestations-là d'origine divine, surnaturelle. On n'a qu'à penser, par exemple, à Sainte Thérèse d'Avila, hein, qui avait différentes visions de Jésus. C'est une parmi tant d'autres, parce que des saints et des saintes qui ont eu des révélations, il y en a à la tonne, je dirais, hein, dans l'histoire de l'Église. Je pense aussi à Saint Jean Bosco, sur lequel j'ai fait des petites recherches dernièrement. Saint Jean Bosco, lui, c'était sous forme de songe, beaucoup. Donc, ils n'en ont pas tous eu, mais plusieurs en ont eu. Évidemment, on pense aussi aux différentes apparitions, spécialement les apparitions de la Vierge, je dirais, depuis un peu plus de environ 200 ans. On dirait que le phénomène s'est comme accentué. Il y en avait avant ça, mais donc beaucoup de phénomènes d'apparitions. On n'a qu'à penser à Lourdes et Fatima, qui sont les plus connus. Alors, comment situer d'abord ces révélations particulières ou spéciales par rapport à la révélation publique ou la révélation générale? Alors, donc, autrement dit, il y a une différence entre la révélation, la grande révélation, hein, et les révélations particulières. Alors, le terme « révélation » désigne pour les chrétiens la manière dont Dieu se fait connaître. Le qualificatif général ou public renvoie au fait que cette révélation vaut pour l'ensemble de l'Église, et je dirais même de l'humanité, pour tous les temps et pour tous les lieux. Hein? Dieu nous a parlé. Il nous a parlé par les prophètes, il nous a parlé, il s'est révélé, donc il est entré en communication avec l'humanité, et c'est son grand souci à Dieu de vraiment se communiquer à nous. Et dans le but justement de nous faire saisir à quel point il nous aime, et il veut qu'on grandisse dans notre relation donc avec lui, hein, autant au niveau personnel qu'en tant qu'humanité. Alors, comment s'accomplit cette révélation? Alors, Dieu s'est d'abord révélé à travers les événements de l'histoire.
Alors, dans la Bible, c'est exprimé d'une façon spéciale, évidemment, bon, à travers le récit de la création, tout ça, spécialement à travers le récit de l'Exode. L'Exode qui est un événement fondateur pour le peuple d'Israël, où il va reconnaître que Dieu a vraiment l'a accompagné et lui a parlé à travers cet événement-là. Et le Seigneur continue de se révéler tout au long de la Bible, à travers différents événements, à travers donc les prophètes, et il va culminer cette révélation dans l'histoire a atteint son sommet en Jésus-Christ lui-même, parole de Dieu et plénitude de la révélation. Alors, en Jésus, la révélation de Dieu atteint son sommet. Et sur cela, je vais vous prendre le catéchisme de l'Église catholique pour vous lire un petit passage. C'est au numéro 65 du catéchisme. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. C'est un passage du début de la lettre aux Hébreux. Le Christ, le Fils de Dieu fait homme, est la parole unique, parfaite et indépassable du Père. En lui, il dit tout. Il n'y aura pas d'autre parole que celle-là. Saint Jean de la Croix, après tant d'autres, l'exprime de façon lumineuse en commentant cet extrait de la lettre aux Hébreux. Voici les paroles de Saint Jean de la Croix. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois en un seul coup. En cette seule parole, il n'a rien de plus à dire. Car ce qu'il disait par partie au prophète, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. Alors ce passage, cet extrait est tiré de la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, qui est un de ses écrits spirituels. Saint Jean de la Croix, on peut dire qu'il est vraiment, dans l'Église, au cours des siècles, un des grands spécialistes de ces questions qu'on appelle de théologie ascétique et mystique, dans lesquelles sont compris justement ce genre de révélations spéciales. Il est d'ailleurs nommé docteur de l'Église. Mais je dirais que sa spécialité, c'est spécifiquement donc sur la théologie mystique. Lui-même était un mystique. Lui-même a été favorisé de toutes sortes de grâces. Donc, il était quand même assez bien placé pour en parler. Et quand il répond donc cet extrait, en fait, c'est si on lit un peu plus avant, on voit que il dit, bien, dans l'Ancien Testament, les gens, ils passaient par les prophètes pour poser des questions puis avoir des réponses de Dieu. Mais il dit, pourquoi est-ce que ce n'est pas permis après que Jésus soit passé? Et il dit, bien, dans l'Ancien Testament, la loi de l'Évangile n'était pas fondée. Alors, c'est pour ça que Dieu permettait qu'on agisse ainsi. Mais il dit, comme il a tout donné en son Fils, bien, on a tout ce qu'on a à avoir. Et donc, on n'a plus à interroger Dieu de cette façon-là. Évidemment, Dieu continue à nous parler quand même. Mais
la révélation, hein, la grande révélation publique, là, comme c'est l'enseignement, je dirais, constant de l'Église, là, on dit que s'est achevé, cette révélation s'est achevée avec la mort du dernier des apôtres. Autrement dit, avec la disparition des témoins de première main, hein, qui ont connu Jésus, qui ont vécu avec lui, qui ont entendu son enseignement. Alors, avec la mort de ces derniers témoins, arrive en même temps la fin de la révélation publique. Alors, il n'y a pas à attendre de nouvelles révélations après cela. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas un approfondissement à y avoir de cette révélation qui est déjà, hein, la nôtre. Et je vais donc... Oui, avant de lire cet extrait, faut que je rajoute que tout ce qu'on a à savoir pour notre salut, donc pour être sauvé, est déjà contenu dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Hein? Et à travers l'enseignement de l'Église, qui perpétue donc la tradition aussi de façon orale, parce que tout n'a pas été dit dans la Bible. Là, hein. Il y a aussi des choses qui se sont traduites dans l'Église naissante par tradition. Donc, à la fois, de cette façon-là, la révélation et la tradition donc donnent ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Et ce dépôt de la foi, c'est ce qui est retransmis donc, hein, d'une génération à l'autre dans l'Église pour on est ce qu'on a besoin de savoir pour être sauvé. Ça, ben, on l'a déjà. On n'a pas besoin nécessairement de d'autres révélations. Cependant, même si Dieu ne parle plus de façon directe, il va continuer de se révéler à travers les différents événements du monde, de la vie de l'Église. Et ces événements-là, ils ont besoin d'être relus à la lumière de l'Esprit-Saint et, je dirais, en Église, pour qu'ils deviennent parole de Dieu, hein, pour nous. Dieu, évidemment, se sert encore de personnes, hein, de manière particulière pour nous parler, et il nous parle aussi, surtout, par les sacrements. Maintenant, je reprends le catéchisme de l'Église catholique pour vous lire le numéro 66, alors où on dit, ça s'intitule « Il n'y aura plus d'autres révélations ». L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais, et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Et je continue avec le numéro 67 du même catéchisme. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire, guidée par le magistère de l'Église. Le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui, dans ses révélations, constitue un appel authentique du Christ ou de ses saints à l'Église. La foi chrétienne ne peut pas accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. Donc, petit...
petit approfondissement donc sur ce que viennent faire hein, les révélations dites privées là, en lien avec la grande révélation. Un autre passage du document des évêques du Québec nous dit « Les révélations particulières n'ont donc pas pour but d'apporter un complément ou un développement à la révélation générale. Elles ont pour finalité d'orienter l'agir des chrétiens dans des situations concrètes et particulières de la vie individuelle ou collective. Elles sont destinées à éclairer les croyants dans leur agir moral, spirituel et religieux. Les révélations particulières relèvent avant tout de l'agir pratique et de la spiritualité. S'il arrive qu'elles attirent l'attention sur certains points de doctrine, ce n'est pas pour ajouter un message nouveau à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais pour en faire mieux pénétrer le contenu ou pour attirer l'attention sur un aspect déjà connu, mais trop négligé. » Alors, par exemple, on connaît, vous connaissez sans doute la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Dans l'Église, c'est une des spiritualités qui est encore très présente. D'ailleurs, la preuve devant chacune de pratiquement de nos églises au Québec, ou si ce n'est pas devant l'Église, c'est dans l'Église, il y a une représentation du cœur sacré de Jésus. Alors, cette dévotion-là, évidemment, elle était quand même assez ancienne dans l'Église. Mais si ce n'était de Sainte Marguerite Marie à la Coque, cette petite religieuse visitandine qui a reçu des apparitions du Sacré-Cœur au 17e siècle, probablement que la dévotion au Sacré-Cœur ne serait pas aussi répandue. En fait, c'est certain qu'elle ne serait pas aussi répandue si ça n'avait pas été de ces révélations particulières. Donc. Alors, vous voyez qu'il y a comme un point qui était peut-être, qui n'était pas mis tellement en lumière, et là, ces révélations ont mis hein, cette dévotion en lumière. On peut prendre un petit peu la même façon de penser avec le dogme de l'Immaculée Conception. Hein. En 1854, ce dogme marial a été proclamé dans l'Église universelle, mais il y a fort à parier que s'il n'y avait pas eu les apparitions de Lourdes en 1858, c'est-à-dire 4 ans plus tard, je ne suis pas certain qu'on aurait approfondi autant que ça dans le peuple de Dieu là, cette connaissance de ce dogme marial. Quand la Vierge Marie apparaît à Bernadette et vient lui dire hein, « Je suis l'Immaculée Conception », ben c'est comme si le ciel hein, vient mettre un sceau divin, là, hein, puis dit ben, « Ce que le pape dit, ce n'est pas une doctrine humaine, là, hein, ça vient du ciel. » Donc, encore une fois, des révélations donc d'ordre privé ou qui vont rejaillir, hein, qui vont aider à approfondir et à mettre en lumière ce qui appartenait déjà à la révélation. Je vous lis maintenant un petit passage de Benoît XVI. C'est un extrait tiré de l'exhortation post-synodale Verbum Domini, qui veut dire le Verbe de Dieu. Une révélation privée peut introduire de nouvelles expressions, faire émerger de nouvelles formes de piété ou en approfondir d'anciennes. Elle peut avoir un certain caractère prophétique et elle peut être une aide valable pour comprendre et mieux vivre l'Évangile à l'heure actuelle. Elle ne doit donc pas être négligée. C'est une aide qui nous est offerte, mais il n'est pas obligatoire de s'en servir. Dans tous les cas,
Il doit s'agir de quelque chose qui nourrit la foi, l'espérance et la charité, qui sont pour tous le chemin permanent du salut. Alors, c'est donc Benoît XVI qui nous dit cela. Et voyez, donc, il nous dit, en définitive, les révélations particulières ne doivent pas être négligées. Hein? On ne doit pas nécessairement les tasser du revers de la main, mais en même temps, ce n'est pas obligatoire d'y croire, on n'est pas obligé de s'en servir. Et ça, c'est l'enseignement, je dirais, habituel de l'Église sur cette question-là, c'est que ça, tout ce qui concerne les révélations particulières, ça n'engage pas notre foi au niveau théologal. Hein? Ce qui engage notre foi, c'est le fait qu'on croit en Dieu, en la Bible, en l'Église, etc. Ça, c'est un engagement de foi. Mais au niveau des révélations particulières, on parle plutôt d'un assentiment au niveau religieux. Donc, une foi, mais au niveau humain. Ce n'est pas un assentiment de foi surnaturel, mais au niveau prudent, humainement parlant, on peut donc y adhérer. Et c'est pourquoi l'Église n'engage jamais son magistère. Quand elle va se prononcer sur des apparitions ou des soi-disant apparitions ou révélations, elle ne va jamais engager son infaillibilité. Elle va simplement dire, bien, il y a toutes les raisons de croire qu'il y a quelque chose de divin, de surnaturel qui se passe là, ou encore qu'on n'a rien constaté de ça, ou au contraire, que c'est faux. Alors, on a un peu tous les tons, je dirais, là, par rapport à ça. Si on prend le message global des différentes apparitions ou phénomènes de révélation privée, là, je vais m'en tenir cependant à celles qui sont reconnues par l'Église, qui sont quand même pas si nombreuses que ça, comparées à la multitude. On parle de milliers et de milliers de phénomènes comme ça, là. Ils n'ont pas tous été répertoriés, là, mais on dépasse le 10 000 depuis le Moyen Âge. Là. Ça, c'est juste ceux qu'on connaît. Il y en a certainement plus que ça. Hein. Alors, le message là, qui revient constamment dans les apparitions donc, qui ont été reconnues par l'Église, ça se tient à peu près en trois mots. Prière, conversion, et pénitence. C'est sans cesse ce message-là hein, qui revient dans les différents messages, soit des apparitions ou visions ou peu importe. Donc, c'est véritablement un message qui veut actualiser le message de Jésus et le message biblique hein, des prophètes pour dire, bien, il faut nous convertir, et on a à prier évidemment pour notre propre conversion, mais aussi pour la conversion du monde, la conversion hein, des pécheurs. Et quand on entend le mot pénitence, bien là évidemment on va en parler un peu plus parce que on entre dans le temps du carême avec le mercredi des Cendres. Là, il y en a qui vont dire cette année et l'année passée, ça fait longtemps qu'on est en pénitence. Vous avez peut-être raison, là. On est un petit peu plus en pénitence que d'habitude, avec le confinement et tout ça. Et justement, il y a des gens qui disaient à Sœur Lucie de Fatima, hein, on ne se sent pas capable, nous autres, de faire de grandes pénitences. Hein, parce que souvent, on lit la vie des saints, puis on voit qu'ils faisaient des pénitences
assez incroyable. Il disait, et ça avait tendance à décourager les gens. Hein? Alors, plutôt que de faire pénitence, ben, il abandonnait. Il se lâchait lousse un peu. Là. Alors, sœur Lucie a dit, il ne faut pas prendre pénitence dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens de accueillir les croix que la vie nous présente. Hein. Parce que vous savez qu'il n'y a pas meilleure pénitence que celle qu'on ne choisit pas. Hein. Alors, par exemple, je suis persuadé qu'il n'y a personne ici qui aurait choisi une bonne pandémie là, pour faire pénitence là, durant le carême 2021. Un bon temps de confinement. Là, je suis certain qu'il n'y a personne qui aurait choisi ça volontairement. En tout cas, il n'y a pas tellement. Et c'est ça qui nous est présenté. Et donc, elle disait, bien, c'est ça. Hein. Puis évidemment, éviter aussi le péché. C'est ça la véritable pénitence. Alors maintenant, on peut se poser la question, comment déterminer l'authenticité des révélations particulières? Alors évidemment, les évêques du Québec se sont posés la même question. Alors, on le devine, les révélations particulières ont toujours comporté des risques d'exagération et de débordement de toutes sortes. Il importe donc d'opérer un discernement. Alors, ces risques d'exagération et de débordement, ils sont réels. Il ne faut pas les prendre à la légère. Et vous savez que l'abbé René Laurentin, qui est un théologien, un grand spécialiste justement des apparitions et des phénomènes en lien avec les révélations privées, il disait que quand il y a eu les apparitions de Lourdes, il avait fait évidemment beaucoup de recherches, là, il s'est rendu compte qu'il y avait une quinzaine de soi-disant apparitions qui avaient eu lieu dans les mois suivants, autour, dans les villages autour de Lourdes. Or, elles se sont toutes révélées de fausses apparitions, pour toutes sortes de raisons. Là. Alors, vous imaginez bien que, à la quantité de révélations qui est censée avoir lieu sur la planète à l'heure actuelle, si vous rentrez dans une librairie, comme par exemple la librairie Médiapol, vous allez voir des rayons complets hein, qui portent sur certaines soi-disant révélations. Mais elles ne peuvent pas, au nombre qu'il y a, elles ne peuvent pas toutes être vraies. C'est impossible. Alors, c'est certain qu'il y a des fausses manifestations à travers ça. Et donc, la prudence est de mise. Alors, les évêques nous disent, bien, il y a trois critères principaux qu'on doit prendre en compte. Et ces trois critères-là, ils se résument ainsi, là, pour discerner. D'abord, le premier, est-ce que le message et le ou les messagers sont fidèles à l'Évangile? Alors, une chose, évidemment, est le message, l'autre, le ou les messagers. Et donc, premier critère. Deuxième critère, est-ce qu'il y a des fruits spirituels qui sont produits hein, chez les fidèles? Donc, des fruits de transformation, de conversion. Et ça, des fois, c'est embêtant parce que c'est des fruits, il faut que ça dure. Hein. Ce n'est pas des feux de paille. Là, parce que ça, ça peut paraître beau, là, ce qui peut apparaître une conversion, mais si ça ne dure pas, ben, on peut douter du caractère même surnaturel de tout ça. Et troisièmement, l'authentification en Église, donc par l'évêque, comme quoi le phénomène est authentique. Donc, c'est trois critères de discernement. Ceci m'amène à
introduire un document qui vient du Vatican qu'on appelle les normes procédurales de la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est quelque chose que vous pouvez trouver assez facilement sur le site du Vatican. On va donc simplement en regarder quelques bribes. Alors, d'abord, il faut dire que ces normes ont d'abord été données en 1978 aux évêques pour leur propre discernement par rapport à ces phénomènes-là. Elles ont ensuite été rendues publiques officiellement par le Vatican en 2011, suite au synode, justement, sur la parole de Dieu, dont j'ai cité un extrait tantôt, là. Donc, en 2011, vous allez dire, oui, ça a pris du temps, effectivement, mais dans différents volumes, ces normes-là étaient apparues. Il y avait eu plus ou moins de... le Vatican n'avait pas donné la permission vraiment, mais là, ils l'ont officiellement, ils les ont sortis, donc tout le monde peut les consulter, ces normes. Alors, ça peut nous aider un peu, donc, dans le discernement. Alors, ils disent « Aujourd'hui, plus qu'autrefois, la nouvelle de ces apparitions se répand rapidement parmi les fidèles par les moyens d'information, c'est-à-dire les masses médias. De plus, la facilité des déplacements favorise la fréquence des pèlerinages. Aussi, l'autorité ecclésiastique doit-elle sans tarder se prononcer en la matière. » Alors, imaginez, ça, c'est en 78. Il n'y avait pas Internet dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça se répand hein, quasiment, ben, pas quasiment, ça, à la minute près, s'il y a quelque chose qui arrive, hein, on le sait dans la journée même, là, à la grandeur de la planète, c'est une possibilité avec Internet, ce qui n'existait pas quand même à l'époque. Et la facilité des déplacements, ben, avec la pandémie, c'est peut-être un peu plus difficile, mais en temps normal, c'est encore plus facile qu'à l'époque. D'autre part, la mentalité contemporaine ainsi que les exigences de la science et de l'investigation critique rendent plus difficile, sinon impossible, de parvenir avec la rapidité nécessaire au jugement qui concluait jadis les enquêtes en la matière. Alors, les enquêtes, donc, on disait, bien, il y a du surnaturel, il y a la présence de Dieu là-dedans, ou il n'y en a pas, ou on n'en voit pas. Pas nécessairement, il n'y en a pas, mais on ne voit pas rien de surnaturel. Donc, c'était les deux constats qu'on faisait. Il est donc plus délicat pour l'ordinaire d'autoriser ou de prohiber, c'est-à-dire d'interdire un culte public ou d'autres formes de dévotion des fidèles. Alors, à cause de la mentalité et de l'avancement de la science, bien, ça devient plus difficile de se faire une idée rapidement sur des cas de soi-disant apparition. Alors, autrement dit, il faut prendre le temps et mettre des experts là-dessus autant que possible pour justement faire une bonne investigation. Alors, les critères pour juger au moins probablement du caractère des apparitions ou révélations présumées. Alors, il différencie entre les critères positifs et les critères négatifs. Alors, les critères positifs, d'abord, il faut avoir une grande probabilité acquise au terme d'une enquête sérieuse. Alors, il faut être grandement... pencher en faveur du fait qu'il y a quelque chose là de surnaturel. Il faut regarder évidemment les qualités personnelles du ou des sujets, hein, notamment son équilibre psychique. Hein. Est-ce que c'est une personne qui est équilibrée? Est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes, par exemple, de santé mentale, etc.? Alors, avec toute la science qui a évolué, c'est sûr que hein, la psychologie peut beaucoup aider, là, à ce niveau-là. Évidemment, est-ce que les voyants ou voyantes sont honnêtes? Ça peut sembler un peu bizarre de dire ça, mais
Je pense par exemple à un cas, j'ai lu dans l'histoire de la Salette, que Maximin, un des bergers de la Salette qui avait vu la Vierge, il était allé parler avec le curé d'Ars, il avait discuté avec lui, il l'avait rencontré. Puis, on ne sait pas trop exactement ce qu'ils se sont dit, mais il avait dit que il avait menti déjà. Et le curé d'Ars, à partir de ce moment-là, n'a jamais cru aux apparitions de la Salette à cause de ce qu'il avait entendu de Maximin. Pourtant, ces apparitions-là ont été reconnues ensuite officiellement par l'Église, mais c'est pour dire que même le saint curé d'Ars, lui qui lisait dans les cœurs, lui dont le discernement de l'Esprit-Saint est mémorable, même lui peut ou non se tromper, peu importe. Ça vient nous dire toute la complexité du discernement de ces phénomènes-là. Et pour continuer donc dans les critères positifs, la rectitude de la vie morale, autrement dit, au niveau moral, la personne se conduit selon l'Évangile, sa sincérité, la docilité habituelle envers l'autorité ecclésiastique. Alors ça renvoie à deux grandes qualités, l'humilité et l'obéissance. Autrement dit, est-ce que la personne qui reçoit ces dites révélations est capable de se soumettre facilement au jugement de l'Église? Ou sinon, à ce moment-là, ça va remettre drôlement en question si on perçoit qu'il y a Il y a beaucoup d'orgueil et d'entêtement, ça va être plus difficile de croire. Hein. Évidemment, il y a aussi au niveau de la doctrine théologique et spirituelle, il faut qu'elle soit vraie et exempte d'erreurs. Qu'il y ait une saine dévotion et des fruits spirituels abondants et constants. Par exemple, que ça amène à un esprit de prière, d'oraison, qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des témoignages de charité. Ça, c'est un point qui, pour moi, est très, très important. Il y a un chant qu'on chante de temps en temps, hein, on dit « Où sont amour et charité, Dieu est présent. Hein? » Je pense aussi à cette parole de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, qui dit hein, « Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Autrement dit, la charité hein, est vraiment un fruit hein, de l'Esprit-Saint qui fait qu'on peut hein, déjà croire hein, que ça nous met sur la piste qu'il peut y avoir là quelque chose de surnaturel. Si au départ, la charité n'est pas présente, ça part très mal. Je dirais même qu'il ne faudrait même pas s'occuper de ça. Hein. C'est un signe concret que ce n'est pas divin. Si la charité est là, à ce moment-là, hein, ça vaut la peine d'investiguer. Je pense aussi à cette parole de Jésus dans l'Évangile hein, qui dit, quand ça va être le jugement, là, il y a des gens qui vont venir le voir, qui vont dire, hein, « Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Hein. » Puis il va dire, « Éloignez-vous de moi, hein, vous tous qui faites le mal, je ne vous connais pas. Hein. » Alors, ça ne suffit pas d'avoir des apparitions hein, puis de faire des miracles au nom de Jésus, là. Hein, s'il n'y a pas la charité, là, ça ne sert à rien. Ça me fait penser justement de vous citer une fois de plus saint Jean de la Croix, en lien avec ce que je viens de dire.
Il dit « Une seule action, un seul acte de volonté fait par charité a plus de prix que toutes les visions, révélations ou communications qui peuvent venir du ciel. En ces choses, il n'y a ni mérite ni démérite. » Beaucoup d'âmes qui ne jouissent d'aucune de ces manifestations sont incomparablement plus parfaites que d'autres qui en sont largement favorisées. Alors, ça vient nous dire à quel point la foi, la charité, c'est plus important que tous les phénomènes des apparitions. Il faut dire aussi que dans la théologie mystique, et saint Jean de la Croix, d'ailleurs, va le confirmer dans ses écrits, les apparitions, parmi toutes les ce qu'on a décrit au début, c'est considéré un peu comme ce qui est le plus bas de gamme dans les phénomènes mystiques. Autrement dit, l'ennemi, saint Paul va dire, Satan lui-même est capable de se déguiser en ange de lumière. L'ennemi est capable de reproduire ces phénomènes-là assez facilement. Et c'est pour ça, entre autres, que je pense à Sainte Bernadette, une des premières choses qu'elle a faites quand elle a vu la Vierge, là, elle a envoyé de l'eau bénite. La Vierge lui a souri. Si ça n'avait pas été la Vierge, bien, c'est clair que l'apparition ne serait pas restée. Alors, évidemment, il peut y avoir aussi des phénomènes qui viennent de notre imagination. Je pense à Sainte Thérèse d'Avila, qui est une autre, qui, elle aussi, a beaucoup, avec Saint Jean de la Croix, investigué sur les phénomènes mystiques, là. Elle dit, il y a des religieuses qui sont portées à croire tout ce qu'elles imaginent et pensent, comme si ça venait de Dieu. Alors, nous autres aussi, peut-être des fois, on pourrait être porté à ça, à faire une méditation, puis il y en a qui ont plus d'imagination que d'autres, là, puis de penser que c'est une révélation qui vient direct de Dieu. Bien, ce n'est pas nécessairement le cas. Et évidemment, je passe bien des bouts, vous pourrez aller voir par vous-même le document, là. Le comportement de l'autorité ecclésiastique compétente. Alors, si des fidèles en font la demande légitime, l'autorité ecclésiastique compétente peut intervenir pour autoriser et promouvoir certaines formes de culte et de dévotion, à condition que rien ne les empêche au regard des critères précisés ci-dessus. On veillera néanmoins que les fidèles ne tiennent pas cette façon d'agir pour une approbation par l'Église du caractère surnaturel du fait. Et ça, c'est très délicat parce que dans plusieurs phénomènes d'apparition, l'Église a permis aux gens d'aller sur les lieux, d'avoir certaines formes de dévotion, etc. Sauf que ça ne veut pas dire que quand l'Église dit « vous pouvez faire ça », ça ne veut pas dire que c'est une reconnaissance comme quoi les apparitions ou les révélations sont authentiques. C'est deux choses différentes. Mais souvent, dans la tête des gens, il n'y a pas de différence. Alors encore là, ça nous dit comment c'est délicat. Dans les cas douteux qui ne portent nullement atteinte au bien de l'Église, l'autorité ecclésiastique compétente s'abstiendra de tout jugement et de toute action directe, car il peut arriver qu'avec le temps, l'événement qualifié de surnaturel tombe dans l'oubli. Vous vous rappelez probablement du passage dans les Actes des Apôtres, quand les Saint-Pierre et Saint-Jean, entre autres, ont été emprisonnés. Et ils vont comparaître devant le Sanhédrin, puis le Sanhédrin, les pharisiens leur disent... ils sont à bout un peu, puis ils disent « Arrêtez de remplir Jérusalem de cet enseignement-là. » Et puis, suite à ça, il y a le sage Gamaliel qui va dire « Écoutez, laissez-les donc aller, eux autres. Si ça vient de Dieu, ce qu'ils enseignent, vous aurez beau faire ce que vous voudrez, vous ne réussirez pas à les faire taire. »
Risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Et c'est une parole très sage, parce qu'effectivement, il n'y a rien qui a pu faire taire hein, le christianisme, même pas les martyrs. Et le message, donc, authentique, hein, s'est répandu hein, jusqu'à nous, 2000 ans plus tard. Donc, le temps, il y a un proverbe qui dit hein, « Laissons donc faire le temps ». C'est un des critères, je dirais, du gros bon sens. Et la plupart du temps, l'Église ne se prononce pas sur les phénomènes de révélation particulière. Elle laisse simplement aller le temps, surtout quand ça, c'est pas trop clair, les affaires. Si c'est pas authentique, ça va tomber de saut. Le temps va faire son œuvre, puis à un moment donné, ça va tomber dans l'oubli. Si c'était authentique, c'est clair qu'il va y avoir des fruits et que ça va perdurer à travers le temps, spécialement quand le ou la voyante décède. C'est là qu'est le test ultime. Hein? S'il décède et ça ne se poursuit pas, ben, c'est signe que c'était soit très humain ou autrement. Sinon, ben, on peut y voir hein, le doigt de Dieu. Alors, on dit, bon, l'autorité compétente pour intervenir, comme on, je pense je l'ai déjà dit, l'ordinaire, en langage canonique, ça veut dire, bien, c'est dans chaque diocèse, c'est l'évêque qui est responsable de s'occuper de ces phénomènes-là. Bon, évidemment, il est permis de se faire aider par toute une équipe. Alors, spécialement s'il y a des spécialistes au niveau de la théologie, théologie mystique, etc., des gens d'autres, ça peut être au niveau de la psychologie, au niveau des sciences, pour aller enquêter un peu, pour voir. Puis, il peut être bon, justement, de prendre sur cette équipe-là des gens qui, justement, ne sont pas des croyants, pour que le jugement puisse être, je dirais, le plus neutre possible. Si l'évêque, donc, le juge bon, bien, il peut demander à la conférence des évêques, soit régionale ou nationale, de l'aider à travers ce discernement-là. Il peut même faire appel au Saint-Siège, au Vatican, donc, pour intervenir, parce qu'on sait évidemment qu'il y a, il y a certains cas d'apparition la renommée dépasse infiniment les frontières, non seulement d'un diocèse, mais des pays. Alors, ça peut être bon de faire affaire au Vatican dans ces cas-là. Maintenant, je voudrais terminer, parce que là, évidemment, je vous ai donné quelques cas de discernement. Mais sûrement que vous restez sur votre faim, et je vais vous dire, moi aussi, je reste sur ma faim, parce que même si ça nous aide, ça reste que pour le commun des mortels, y compris pour nous autres prêtres, quand on est en contact avec les apparitions ou les révélations particulière, la plupart du temps, c'est par les messages qui nous sont transmis. On n'a pas accès, sauf rarement, là, aux voyants ou voyantes ou soi-disant voyants directement. Donc, on ne peut pas faire des enquêtes, évidemment, sur les personnes comme telles, est-ce qu'elles sont crédibles, etc. Et ça ne se fait pas par un intermédiaire. Là. On ne peut pas se fier à ce qui a été écrit sur ces personnes-là dans les journaux, etc. Il faut vraiment faire une enquête directe. Par contre, ce qu'on a, c'est les messages. Or, évidemment, il peut être assez difficile de faire une... puisqu'on n'est pas des spécialistes non plus au niveau de la théologie, même si, évidemment... Même comme prêtre, on a une formation, mais ça prend encore plus que ça.
Donc, comment opérer un discernement? Mais j'aurais tendance à dire, et là-dessus, Saint Jean de la Croix, lui, est très formel envers les gens qui, justement, étaient favorisés ou semblaient favorisés de tels phénomènes, soit d'apparition ou de vision, ou de quelconque phénomène mystique. Il avait tendance à dire, parlez-en à votre accompagnateur spirituel, à votre directeur spirituel, puis tenez-vous-en à ce qu'il vous dit. Et autrement dit, ne vous occupez pas de ces soi-disant révélations-là, hein, mais parlez-en hein, de ça. Et il invite les directeurs à ne pas être trop naïfs, pas entrer trop facilement dans ces cas, puis tout bénir les révélations. Ne pas être trop sévère non plus envers les gens, puis les accueillir ce qu'ils ont à dire. Mais en même temps, donc, de ne pas s'en occuper. Un peu de mettre ça sur la tablette, là, et de tenir ça mort. Il dit, de toute façon, ce que le Seigneur veut faire, ce qui les fruits qu'il veut faire porter, il va les faire porter à la personne dans son âme. Alors, je dirais que c'est un peu la même chose pour les voyants ou voyantes. Donc, le message, évidemment, il nous est difficile de le discerner. On a tout avantage à s'en remettre au jugement de la Sainte Église. Et là, je sais que vous allez peut-être dire, oui, mais ça lui prend du temps pas mal à se prononcer. C'est vrai que dans des cas, ça prend beaucoup de temps. D'autres, moins. Je veux maintenant vous passer la liste de plusieurs apparitions reconnues. Je ne peux pas dire qu'elles sont toutes là, mais plusieurs apparitions donc, qui ont été officiellement reconnues par l'Église. Alors, je vais commencer par deux apparitions de Jésus qui sont très bien connues. La première, on l'a déjà nommée, celle du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie à la Coque au 17e siècle. Ça va donner lieu à la pratique des premiers vendredis du mois. La deuxième est plus proche de nous autres, c'est les apparitions de Jésus Miséricorde à Sainte Faustine Kowalska, donc religieuse polonaise, qui a vécu, est morte en 1938. C'est les deux apparitions de Jésus les plus connues, et il y en a d'autres, évidemment. Maintenant, je vous donne la liste des 18 apparitions. Vous allez les voir d'ailleurs à l'écran. Vous allez voir aussi des dates. La première date, c'est celle de la date des apparitions. Et la deuxième, c'est celle où ils ont été reconnus officiellement là, par l'Église. Alors, les premières, c'est Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. Donc, d'ailleurs, Juan Diego, le voyant, a été canonisé il n'y a pas si longtemps. Vous allez remarquer que ça a pris beaucoup de temps, hein, plus de 200 ans, avant que ces apparitions-là soient reconnues. Il y en a d'autres, vous allez remarquer, ça a pris à peine un an. Alors, c'est très, très varié. La deuxième, c'est le Laos, en France. Les apparitions qui ont duré de 1664 à 1718, plus de 50 ans. Elles ont été reconnues tout dernièrement, en 2008. Apparition de la Vierge à Rome, en 1842, à Alphonse Ratisbonne, un juif athée qui s'est converti et qui est devenu prêtre par la suite, lui qui était fortement anticatholique. Curieusement, cette apparition-là, vous allez dire, comment ça, il n'a pas parlé de la rue du Bac
les apparitions de la Vierge, la médaille miraculeuse en 1830. Vous avez parfaitement raison si vous avez dit ça. C'est que Sainte Catherine Labourée, qui a reçu les apparitions, voulait rester totalement anonyme. Et donc, elle n'a pas voulu qu'on en parle. Puis comme elle est morte à un âge quand même assez avancé, ben ça faisait longtemps que toute l'histoire de la médaille miraculeuse, surtout avec cette conversion-là, phénoménale, avait fait son œuvre dans l'Église. Alors, vous voyez, Dieu a sa façon de procéder et il n'a pas... Des fois, il passe autrement que par des reconnaissances officielles. En 1846, les apparitions de La Salette en France, elles ont été reconnues 5 ans plus tard. Lourdes, en 1858, à Sainte-Bernadette. Apparition moins connue à Champion, Wisconsin, États-Unis, en 1859. Elles ont été reconnues en 2010. Les apparitions de Pontmain en France en 1871, reconnues à peine un an après les apparitions. Les apparitions en Pologne en 1877, je vais essayer de prononcer comme il faut, Gieteschwald. Alors, elles ont été reconnues environ 100 ans après les faits. Les apparitions de Knock en Irlande en 1879. Les apparitions, évidemment, de Fatima, dont en 1917 au Portugal, Sainte-Jacinthe et Saint-François, qui ont été canonisés au tournant des années 2000. Sœur Lucie, peut-être un jour, sans doute, sera canonisée. Les apparitions de Beaurain en Belgique, les années 1932-33. Les apparitions de Banneux, également en Belgique, en 1933. Assez intéressant, c'est que 1933, c'est l'année où Hitler est arrivé en responsable là, en Allemagne. Et donc, les apparitions, cette année-là, la Belgique, évidemment, qui est à côté de l'Allemagne. Apparition, celle-là, je pense qu'on ne l'a pas dans notre liste. Ah oui, on l'a rajoutée. Amsterdam, Pays-Bas. 1945 à 59, plusieurs apparitions. Elles ont été reconnues tout dernièrement, là, en 2002. Les apparitions d'Akita au Japon, de 73 à 81. Les apparitions de Betania au Venezuela, de 76 à 88. Reconnues, ça c'est assez rare, là, c'est même audacieux, je dirais. Reconnues alors que les apparitions se poursuivaient. Je pense que c'est le seul cas, là. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Reconnu en 1987. Et les apparitions de Saint-Nicolas en Argentine en 1983, reconnues, je pense que c'est les dernières à avoir été reconnues en 2016. Et il y a également Kibeo au Rwanda. Ça s'est passé de 81 à 86, reconnu en 2001. Ces apparitions-là, entre autres, les voyantes, parce qu'il y était plusieurs, avaient vu en vision le massacre, le génocide qui a eu lieu en 1993 au Rwanda. Alors, je pense que déjà là, juste à explorer ces différentes apparitions qui ont été reconnues par l'Église, ça fait déjà beaucoup. Si on s'en tient rien qu'à ça, et on est certain, là, hein, le discernement de l'Église a été fait, donc c'est plus sûr. C'est sûr qu'on peut aller voir d'autres apparitions qui ne sont pas reconnues, mais à ce moment-là, je dirais extrême prudence, parce que les faussaires sont nombreux et ceux qui sont illusionnés aussi. Et d'ailleurs, je vais donner 2 cas qu'on a eus ici au Québec. Le premier, c'est celui de Marie-Paul Giguère, qui déjà dans les années 50, c'est dans le diocèse de Québec,
disait avoir des révélations, des apparitions, entre autres, de la Vierge Marie. Elle a fondé en 1971 un regroupement, l'Armée de Marie, qui au début a été reconnu comme étant un organisme catholique, où enfin on a donné une autorisation, là, puis ensuite ça a été enlevé. Il faut savoir que ce groupement-là, en tout cas si vous ne le connaissez pas, cherchez pas à le connaître, mais si jamais vous le connaissez, c'est devenu une dérive sectaire assez épouvantable. Alors, il n'y a plus rien à peu près de catholique là-dedans. En fait, ce n'est pas du tout catholique, là. C'est sectaire et schismatique. Alors ça, c'est une des grandes dérives qu'il y a eu à partir d'une personne qui disait avoir des révélations. Et ça s'est passé ici au Québec, c'est pas ailleurs dans le monde, là. C'est ici. Autre supercherie, on connaît Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour ses inondations, mais il faut savoir qu'en 1986, il y a eu un fait peu banal. Il y avait une Vierge, semble-t-il, qui pleurait des larmes de sang. Or, il s'est avéré assez rapidement que c'était une supercherie. Les gens de la place avaient mis une espèce de graisse sur la statue. Et comme la pièce était toute petite, les gens venaient prier. La chaleur augmentait dans la pièce. La chaleur augmentant, la graisse fondait et prenait une couleur particulière, une couleur rouge qui ressemblait à du sang. Évidemment, ça n'a pas passé le test au niveau scientifique, mais ça a quand même été... je dirais, une tâche, donc, dans ce domaine-là. Évidemment, dans l'histoire du Québec, avec tous les saints et les saintes qu'on a, on est persuadé que des phénomènes de révélation particulières, non seulement il y en a eu, mais qu'il y en a eu des authentiques, mais probablement, et c'était la bonne chose à faire, ces gens-là ont voulu rester anonymes. Hein? Et elles ont vécu ça et l'important, c'est justement qu'ils ont porté du fruit parce qu'ils ont vécu vraiment l'Évangile là, hein, dans l'essentiel. Alors, voilà, évidemment, on pourrait continuer là, infiniment, pratiquement sur ce thème-là. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses encore à dire, mais il faut terminer. Alors, je fais simplement vous dire que le prochain rendez-vous va se tenir avec le Père Francis Gadouri et le thème donc d'une question à la fois à ce moment-là, ça va être autour des théories du complot, là, comment comprendre ça et comment discerner ça. Ça va être le mercredi, le 3 mars prochain, à 19h toujours. Alors, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous aurait été d'une quelconque utilité. Sinon, j'en suis probablement responsable. Mais vous avez différents documents là, qui ont été cités tout au long de l'exposé. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de les prendre en note, bien, vous pourrez faire peser sur « rewind », comme on dit, et revenir donc à la source et prendre les différentes informations aussi qu'il y avait sur l'écran. Alors, merci beaucoup et à une prochaine question à la fois.